Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur deux policiers aux terres d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal, ou capitaine Ngoï Kibwe, et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'État-Major Général de FARDC. Les deux criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits des faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir, accompagné avec ma bonne, parce qu'il fallait dans son bassicre, un appel. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au Madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La bandit qu'on continue route normale. La deuxième personne est descendue dans la voiture, aïe yo bazo bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch na bango. C'est comme ça que j'ai crié de bandi ko bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza na Makadam, par force pour bakotsa na voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Luaka. Ba garde na yende ba bimi. Tant ba bimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, naebi bango te oh te topé ça tout kanga. Tozan a document tozo luke. Bozan a document combo ya nani na kati. Ba komi ko menacer ba tu ana ba tsika ba ko tsanga na voiture na ba ona kende kaka. Ba me manga na ipe crime. Comme ezan na quartier na nga, j'habite quelque part. Nde ba toi quartier ba ye. Naebi si ba ngo benga ba soldat ya barrière ya kan kokolo. C'est comme ça ba onde ba ye au secours. Ba kangi bango to se retrouver en. En tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC. Vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP 9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par les chefs d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2023.